Les filles, vous venez? Ok, je réserve les places. À toutes. Salut les amis, ça va? Bon, on se retrouve pour une vidéo souplesse et écart spatial. Donc c'est l'exercice que je fais moi en fait, que je te partage. Donc je me filme pendant tout un entraînement, ça va je pense durer bien 45 minutes. Et comme ça, bah, on s'entraîne ensemble. Avant ça, on va regarder les muscles qu'on va travailler. Donc on a les adducteurs de côté, puis les ischios juste là, insertion au niveau de la fesse et jusqu'au genou. Et dernier point, on n'a pas tous la même morphologie au niveau de la hanche. Nous sommes différents. Ce qui peut rendre l'écart facial difficile, voire impossible. Je me suis renseignée auprès d'Alexandre Vacheron, mon ostéopathe. Une articulation de hanche normale peut permettre le grand écart facial. Cependant, certains patients vont présenter des défauts d'architecture au niveau de l'articulation, ce qui entraînerait une incapacité de faire ce grand écart ou d'autres mouvements extrêmes. Éviter la douleur, ça serait un risque d'avoir de l'arthrose avec les mois, les années qui passent. Si la douleur est récurrente dans la hanche, il faut absolument demander conseil à un spécialiste afin d'avoir un diagnostic précis pour connaître la cause de la douleur. Bien! Donc pendant que tu t'es renseigné, que tu es en bonne santé, tu prends une bouteille d'eau, ton leggings, ton short, ton je sais pas quoi, et on va s'entraîner. Go! Ça y est, on est parti, t'as ta bouteille d'eau à proximité, on commence façon Christelle, on vient faire un petit peu de cardio tranquille juste pour mettre la machine en route et avoir le cœur qui bat, c'est bien important, vas-y, respire bien. Lâche un peu toutes les pressions, les choses qui t'embêtent, tout ça, ça te concerne pas maintenant. Maintenant, on veut travailler notre grand écart facial. Allez, respire toujours. Va sur le côté, pic, pic, pic. Voilà, exactement, voilà, parfait. Continue les respirations. Tac, tac. Nickel, calme, et on vient faire son bassin, fléchis les genoux et on tourne dans un sens, ok, continue, exagère bien les mouvements, et l'autre, pac, 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 hyper important, l'échauffement des articulations, tu peux pas me skipper ça, tu continues. Tourne, tourne, tourne. Nickel, même chose. Sauf qu'on a les jambes bien tendues, on vient sur le côté devant, côté derrière. Et vas-y. Respire toujours. Tac, tac, tac. L'autre sens. Et tu viens serrer les jambes, on fait les genoux. Avant, arrière. Ok, on vient sur une jambe, commence par la droite, lève la gauche et on vient devant, de côté. Cherche bien ton équilibre. Si tu vois que c'est vraiment trop la galère, t'hésites pas, tu prends un mur, une chaise, la tête de quelqu'un et tu continues. Devant, côté, devant. Yes, on va faire des cercles maintenant. Cercle. Dans l'autre sens. Ça craque, c'est délicieux. Et pause, tu fais exactement la même chose de l'autre côté. On trouve l'équilibre et on y va. Toujours un prends un mieux, prends n'importe quoi si jamais tu vois que l'équilibre c'est un problème parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse. C'est choper la hanche. Et cercle. L'autre sens. Et pause, parfait, articulation, on est pas mal du tout. On va faire un petit peu des squats maintenant. Donc je t'invite à te positionner, squat sumo, ça veut dire quoi? On va regarder à 45 degrés avec les pieds et les genoux suivent le squat, ok? Suivent l'alignement du pied, c'est parti.
On vient pour 10. Allez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu restes en bas. On fait 10 petits. C'est parti. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mains sur les genoux. Et bien les écarter. Essaye de rapprocher le bassin en avant. Prends le temps de respirer. Calme un peu le cardio. Et on repart pour une série. C'est parti. On refait. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reste en bas. Et vas-y, fais des petits. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire et viens mettre une petite pression sur tes genoux avec tes mains. Nickel, remonte, bois un petit peu d'eau. Pendant ce temps, moi, je t'explique qu'il y aura deux notions qu'on va travailler. On va chaque fois travailler soit l'ouverture de hanche, donc l'écartement de tes jambes, ou alors l'écrasement, ce qui est de rapprocher son corps de ses jambes. Ça, c'est l'écrasement. Ok, nickel. T'as bu ? C'était parfait. Nickel. Maintenant, on va faire un petit peu de détente pour l'écrasement. Donc, viens écarter tes jambes, les pieds droits devant moi. On vient inspirer, monter les bras. Et on essaie d'avoir un dos bien, bien droit. Et si possible, les bras au-dessus des oreilles. Donc, dans l'idée, bien sûr. Donc, pas avoir les bras en bas, pas avoir le dos rond, mais avoir un dos bien plat et les bras au-dessus des oreilles. Continue à respirer. Et descends. Ok, de là on va venir sur notre jambe droite, mais on ne va pas tourner la jambe, on va vraiment venir s'écraser dessus. Ok, on lui fait un gros câlin dans la mesure du possible. Continue à bien prendre des respirations. N'hésite pas à te masser un peu, à chauffer un peu le muscle. C'est vraiment, vraiment, vraiment bénéfique pour toi. Et passe de l'autre côté. Continue à bien respirer. N'oublie pas les caresses. Génial. Viens devant. Maintenant, si tu préfères prendre l'appui sur tes cuisses, n'hésite pas. Ou alors sur le sol. Oui, oui. L'important, c'est toujours de travailler ce dos vraiment plat. Et autre astuce, ne l'oublie pas. Regarde, continue. Si tu es en arrière, les muscles du mollet ne sont pas engagés, ce qui serait un peu dommage. Donc, tu as meilleur temps de chercher un peu le point d'équilibre et d'appuyer sur tes orteils. Et là, on voit vraiment la chaîne arrière qui est enclenchée. Donc, c'est tout bénéf pour toi. Ok. On peut fléchir, remonter. Ensuite, mes amis, nous allons partir sur des lunges. Donc, pour ça, on vient ne pas utiliser nos mains, n'est-ce pas? Donc, part en premier sur la droite et vers gauche. Fais ça à ton rythme, gauche-droite. Yes, yes, yes. Et tu viens de plus en plus bas. N'hésite pas à t'aider de tes mains. Et en utilisant toujours ta respiration. Tchac.
Pour les plus avancés, n'hésitez pas à descendre un peu plus bas. Ou simplement de rester au même niveau. Fais ce qui est agréable et respectueux pour ton corps. Il t'aidera beaucoup plus et il te fera progresser beaucoup plus vite si tu l'écoutes, ok? On va rester un moment à droite. Donc, pas de problème si t'es là. Essaye de venir peut-être mettre une main sur tes genoux, ton genou, et une main au sol. Cherche vraiment l'étirement de ta jambe tendue. Prends des bonnes respirations. Et on vient de l'autre côté. On change encore une fois chaque jambe. Et l'autre. Génial, génial, génial. Ok. Rebois encore une fois de l'eau. Je te suis. Bien. Ensuite, on va pouvoir faire le fameux papillon. Donc, pour ça, on va s'installer tranquillement sur notre tapis. Prendre les jambes tout proches de nous. Oui. Ensuite, on attrape nos pieds. On tend bien. Le dos, on est bien droit et on fait les fameux papillons. Oui, nous commençons par un exercice tout à fait classique, simple et intégré, j'espère, chez tout le monde. Parce que celui-là, il est vraiment, vraiment chouette à faire, ok? Donc tu continues à faire des petits mouvements. Donc si t'es déjà vraiment bon en ouverture, n'hésite pas à t'équiper d'un bloc. Tu le positionnes juste là et tu viens... Même principe, dos droit et tu papillonnes. Oui, oui, oui. Ça t'a ainsi créé le jeu nécessaire pour continuer à faire cette ouverture de hanche. Ok, ça change pas. On respire, on se détend, on essaye d'être bien concentré sur ce qu'on travaille. Ensuite de ça, nous allons faire un exercice vraiment très, 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 très intéressant qui consistera à vouloir fermer tes jambes. Donc ça, tu vas le faire. Tu vas fermer tes jambes, ok? Nickel. Mais en fait, tes bras vont empêcher cette fermeture. Donc, ça va donner ça. Oui, pendant 10 secondes, ok? On le fait ensemble. Après ces 10 secondes, tu vas continuer la pression dans les bras, mais tu vas relâcher les jambes. Et à l'expiration. Pour permettre à tes jambes de se détendre. Allez, voyons ensemble les effets de cet exercice. On commence. Vas-y, on serre les jambes. 10, 9, 8, 7, 6. Vas-y, serre. 4, 3, 2, 1. Et expire, relâche. Et c'est descendu. Bien, on refait ça. Ok, on va fermer. 10, 9. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, relâche. Ok, on va le faire une dernière fois. T'es prêt? Allez, on ferme. 10, 9, 8. Vas-y, serre. C'est la dernière, promis. 5, 4, 3, 2, 1. Expire, relâche. Par en avant, les bras aussi, la tête se relâche. J'aimerais que tu prennes le temps de respirer 3 fois à ton rythme, mais des grandes respirations, vraiment. Fais en sorte que ton expiration soit 2 fois plus longue que ton inspiration. Parfait. Exercice suivant. On va pas beaucoup bouger. On va simplement pousser un peu nos jambes
et on les espacer dans environ 3 mains de soi. Ça, c'est très bien. Ok, on va venir par-dessous, prendre ses pieds dans ses mains. Le dos est rond, c'est normal. Ça s'appelle l'huître en yoga, si jamais. Donc là, c'est une ouverture de hanche un peu différente, mais très intéressante à travailler. Donc c'est pour ça qu'on le fait. Même chose, tu respires. Et là, tu vas venir laisser tomber la tête en avant. Et là, toi, tu vas te détendre jusqu'à que je te dise d'arrêter. Ok ? Non, prends le temps de vraiment respirer. Même principe. Grande inspiration et très très grande expiration. Tu peux sentir ça dans les fessiers, tu peux sentir l'étirement à l'intérieur peut-être, au niveau des adducteurs. Laisse, tout ça c'est bénéfique pour toi. Ok, viens prendre une dernière inspiration. Expire, viens lâcher tes pieds et remonte doucement. Inspire et tire-toi un petit peu. Ok, ramène les jambes et tu peux détendre gauche-droite. Ça fait office de contre-position, c'est très bien. Ok, donc là c'était pour l'ouverture des hanches, on va encore en faire hein, pour ça. Excellent, vraiment excellent. On va prendre sa jambe droite, on amène son genou face à moi. On fait gaffe que le tibia soit également face à moi. Et puis, on va vouloir poser sa cheville sur sa jambe droite et avec la main gauche, on va mettre une pression sur le genou pour vouloir en fait que ce soit collé ensemble, oui, pour créer une ouverture de hanche, ok ? Donc on fait ça. Le dos bien droit, bien sûr. Et on vient mettre la pression sur le genou, ok ? Si t'es déjà là, que tu t'ennuies, essaye, en venant mettre la main sous ton pied, de monter la jambe et créer ainsi un plus grand jeu. Oui. Ok, on continue. C'est pas très agréable, hein, mais c'est vraiment très efficace, d'accord ? On tient encore une dizaine de secondes. J'ai l'horloge en vue. Allez. Ok, parfait. On va pouvoir sortir tout doucement. Et venir changer tout la même chose. Donc ça veut dire on met la jambe gauche devant, le tibia face à moi. Et on vient mettre le genou sur la cheville. Ok ? Et même chose, on travaille avec l'expiration. Pour venir t'assouplir. Essaie vraiment de comprendre ce qui se passe en toi, de ressentir, d'accepter la douleur qui n'en est pas. Ne l'appelons pas douleur, comme ça elle n'en sera pas une. Ok, on respire. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient gentiment de cette posture. Voilà, contre-position, toujours très important. Yes. Et maintenant, on va venir travailler toujours l'ouverture. Mm-hmm. De cette façon, ça veut dire qu'on va tendre sa jambe gauche. Et on va vouloir isoler l'étirement en fait. Donc ça veut dire que celle-là, on la garde fermée. Et on va vraiment chercher à créer une ligne ici, entre la cheville et le fessier. Et on va vouloir descendre. Ok. Respire bien. Essaye de chercher vraiment à te rapprocher du sol. Et c'est grâce aux expirations que tu vas chercher toujours plus profond, toujours plus loin. Essaie de toujours être à un niveau agréable, on s'entend, ok ? Que ce soit un étirement que tu peux gérer, que tu peux
décider ensuite de détendre. Ça sert à rien d'être dans l'extrême, à être crispé en fait, et en fait envoyer des messages très mauvais à ton corps alors que tu veux en fait le détendre. Donc quitte à rester plus haut et à se dire ok, là j'intègre ce qui se passe, ça marche. Et tu descends toi, un petit à petit. Ok, on fait le jump. Tic. Même principe, tu viens et tu détends avec les expirations. Je te laisse gérer comment tu veux la jouer, à quel rythme tu veux respirer et donc te détendre. Encore une quinzaine de secondes. Ok, prendre une grande inspiration. Non, je ne sais plus parler. Prends une grande inspiration et remonte. Ok. Alors, calme un peu. Parce que là, on va partir avec les deux jambes. Donc, n'hésite pas si tu vois que tu as besoin peut-être d'une chaise pour commencer à descendre. Ou si simplement nos fameux blocs de yoga te suffisent. Fais ce qui est bon pour toi et qui est sur mesure pour toi. Donc on y va, on descend. Mets-toi sur les talons. Et on prend le temps de respirer. Allez, tiens bon, nous tenons encore 20 secondes, tout en respirant et en restant en vie. Allez, encore la moitié. N'hésite pas à descendre aux expirations. Ok, ça joue. Descends doucement. Bien. Bois un peu d'eau. Il est l'heure. Super cool cette bouteille en verre, c'est vraiment bien, c'est vraiment super. Ok, donc maintenant on va travailler un peu l'écrasement. Je t'invite à venir t'asseoir sur ton tapis, pipic. Le dos bien droit, pas toujours facile du coup. Et oui, on ne les lâche jamais décidément. Bloc. Tu vois cette arête là du bloc? Tu vois ses fesses? Nickel. Tu viens mettre l'arête et la fesse ensemble. Oui, comme ça, ça va venir t'aider en fait à basculer le bassin en avant. Comme ça te fait faire le dos bien droit, bien plat, comme on aime. Bien, donc on ouvre à la largeur du tapis. On vient prendre une inspiration et venir avec soit les mains derrière pour repousser ou soit devant pour tomber. Et là, on est en train de travailler notre écrasement. Donc on sent bien nos ischios. Là, on ne sent normalement pas encore trop les adducteurs. Ça va venir. Patience. Et là, je t'apprends rien. Il faut respirer. Il n'y a pas le choix. Là, il y a un petit plus par contre, c'est que tu peux t'amuser à exagérer tes mollets, ce qui n'est jamais mal. Donc on exagère, pourquoi pas, nos mollets. Ou on continue en poussant pour avoir le tout droit. On vient inspirer pour remonter. Et cette fois-ci, on ouvre non pas à notre maximum, mais à une ouverture intermédiaire. D'accord? Toujours avec notre bloc qui nous aide à avoir un dos droit. On inspire et on vient soit repousser, soit plonger en avant. Du coup, tu pourras te donner des petits objectifs. Tu pourras dire, hey, yes, maintenant j'arrive à toucher mes talons. Mes coudes. Oui! Tu pourras être heureux. Et donc voilà, ça te fera des étapes en fait. Bah, tu pourrais être là, après tu pourrais être là, ensuite tu pourrais être là, ensuite tu pourrais être là. Oui, voilà. Oh, le bloc est parti. Oui, tu n'es pas obligé d'utiliser le bloc. Sitôt que ton bassin aura compris qu'il faut aller en avant,
parce que nous sommes des gens de l'avant, oui, eh bien, tu n'en auras plus besoin. Fils. Excellent. Tu es parfait. Ok, on pourra donc maintenant aller à notre maximum dans l'ouverture. Je vais juste me déplacer et venir faire ça face à toi. Ok, ouverture maximum. On fait bien attention cette fois d'avoir nos orteils qui regardent à midi ou derrière, mais jamais devant. Là, ça fausse tout, ça te casse. Ok, donc tu ne veux pas être cassé, donc tu oublies. Bien, on va venir faire la même chose. On inspire et on vient soit repousser, soit plonger en avant. Waouh, comment... Tu n'as rien entendu. Continue. Vraiment, 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 toujours grande inspiration, toujours la règle de « je me sens bien, donc j'y reste ». Je vais chercher, mais jamais, jamais dans la douleur absolue. Et ça, c'est juste pas possible, voilà, pas possible. Donc, maintenant, on remonte, on garde nos jambes bien ouvertes et on vient toucher simplement chaque côté, même bras, même jambe, ok? Ensuite de ça, on va venir chercher l'opposé. Donc, on va être là et vouloir venir pour travailler tout ce qui est des intercôtes. En cherchant à aller toujours de plus en plus bas. En sachant que l'objectif est de venir ensuite attraper le pied avec ça me prend. Mais là, pour l'instant, on va à notre max et on reste. On n'hésite pas, si tu veux aller encore plus bas, pense bien à regarder au plafond et que le buste soit bien tourné. On inspire et on vient faire la même chose. Et à l'expire, on descend de l'autre côté. Respire. Détends-toi. Ok, remonte à l'inspiration. Parfait. Ensuite, là, on peut venir fermer nos jambes doucement. Petite contreposition gauche-droite. Tu peux venir boire un peu d'eau. Je te demande tout le temps d'être hydraté parce que ton corps, il en a besoin. C'est pas parce que j'ai des rabais pour du PQ ou quoi que ce soit. Hein. On soit d'accord. Bon, dernier exercice de la vie, de l'amour, de tout qui m'a moi aidé à faire cet écart. Je te le montre tout de suite. C'est la grenouillette. La grenouillette. Donc la grenouillette consiste à s'équiper de petits coussins ou d'habits qui glissent parce que ça fait mal aux genoux. Donc, voilà, donc ça c'est merci Choubatuk pour les habits que tu viens mettre sous tes genoux. C'est-à-dire, tac, tac, tac. Ok. Position de la grenouillette. Règle numéro 1, genoux, fesses, genoux sur la même ligne. Ensuite de ça, tu dois respecter un angle droit avec l'ouverture de ton genou. Donc ça fait un espèce de U en arrière. D'accord? Ensuite de ça, rétroversion du bassin. Clac! Comme si quelqu'un t'avait mis un coup de poing dans le ventre, n'est-ce pas? Et oui. Là, grâce au petit coussin que nous avons mis, nous pouvons glisser. Donc là, jusque-là, tout va bien. On va pouvoir travailler cette glissade. Maintenant, grand, énorme bonus. Si tu viens mettre, je sais pas, même 15 000 blocs, si jamais tu es encore bien haut, tu mets 15 000 blocs sous toi pour permettre à tes mains d'être libres et de venir boire. Non, je rigole. Et de venir en fait te masser, oui. Parce que c'est le but, hein. Le but, c'est de détendre cette grenouillette pour avoir le bassin au sol. Donc, juste
On se masse. Là, j'ai l'heure, on va faire 30 minutes... 30 secondes de massage de grenouillette, ok? Eh oui, tu détends. Peut-être au niveau des fessiers, peut-être au niveau des adducteurs, mais en tout cas, sache que si tu te concentres bien, que tu respires bien, ça va descendre, ça va lâcher, et ton bassin va vraiment pouvoir descendre, toucher le sol. Ok, on a déjà fait plus de la moitié, donc c'est génial. Continue à te détendre. Et ça, cet exercice, bah, il est peut-être un peu compliqué dans le sens où il faut un peu de matériel, mais il est tellement bénéfique parce que si tu as des douleurs dans les genoux, là, ça permet vraiment de travailler les adducteurs sans ces douleurs. Donc, c'est juste incroyable, c'est juste celui que je conseille vraiment, 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 la grenouillette. Voilà, donc là, ça fait même plus que 30 secondes, donc je te félicite, je n'ai pas voulu te faire un piège, hein, mais c'est très bénéfique pour toi. Ok, donc là tu peux remonter et basculer en avant. Fermez les jambes tout doucement. Eh oui, venir faire gauche, droite avec le bassin comme d'habitude. Oh yes. Ok. Waouh. Donc là, avec tout l'exercice qu'on a vu, on est vraiment bien. Dans le sens où on a l'ouverture de hanche, on a l'écrasement. Et si t'as pas le grand écart avec ça, tu m'appelles, on se fait un petit procès. Ok, ça joue.